Chapitre 4. Comment devenons-nous des acteurs sociaux ? Dossier 3. Filles et garçons. Une socialisation différenciée ? Les instances de socialisation vont exercer une socialisation différente en fonction du sexe de l'enfant, appelée socialisation différenciée. Ainsi, les attentes de la société seront elles aussi différentes. L'émotivité sera par exemple plus tolérée pour les filles que pour les garçons, qui, eux, seraient censés montrer plus de force et de courage. Les jouets ont eux aussi un rôle important dans la socialisation différenciée. Jouer à la poupée ou à la dinette ne prépare pas les filles aux mêmes rôles sociaux que des garçons qui jouent davantage aux jeux de logique, aux super-héros ou avec leur établi de bricoleur. La socialisation différenciée va développer des différences de goût, d'attitude et de pratiques sociales entre les filles et les garçons, les préparant à des rôles et statuts sociaux distincts comme ceux de femmes et de mères auxquels on attache notamment la douceur, le calme, la bienveillance, le soin des enfants et du foyer, et ceux d'hommes et de pères qui sont plutôt liés à la virilité, la force, la protection, le soin de l'extérieur de la maison. Mais la socialisation différenciée selon le genre est à l'origine de nombreuses inégalités entre les femmes et les hommes. Cela s'observe par exemple dans les choix d'orientation. Si 55,1% des étudiants sont des filles, elles ne représentent que 40,3% des étudiants en études scientifiques. La répartition des tâches au sein du couple est-elle aussi liée à des stéréotypes féminins et masculins véhiculés par la socialisation ? Ainsi, 80% des femmes font la cuisine ou le ménage au moins une heure par jour, contre seulement 36% des hommes. Cela impacte également l'emploi, où les femmes sont surreprésentées dans les métiers du soin. La quasi-totalité des aides à domicile sont en effet des femmes, mais ces dernières ne représentent que 2% des ouvriers du bâtiment. Les salaires sont aussi moins importants pour les femmes. Dans le secteur privé, les femmes gagnent ainsi en moyenne 28,5% de moins que les hommes.